Ouh, salut! Si vous avez choisi cet entraînement, c'est peut-être parce que vous n'avez pas beaucoup de temps aujourd'hui. Alors, on va commencer à bouger immédiatement. Je ne vous tiendrai pas trop longtemps. Je vais juste vous dire bravo! Bravo d'être là! Bravo de choisir ces 15 minutes pour vous dans une journée. Je vous invite à prendre un petit jogging comme j'ai commencé à le faire à l'instant et je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer par des 20 secondes de travail, un mouvement. Après ça, on va aller combiner des mouvements ensemble sur des 30, 45 et sur des minutes de travail. Juste avant de s'activer, je vais vous inviter à venir faire quelques fentes hautes avec rotation pour vous réchauffer. Alors, on arrête de bouger. Pied droit devant, un grand pas. 90 degrés dans chacun des genoux. Alors, on allonge, on plie et on tord à droite. On le refait encore trois fois. Hop, et on tourne. On pourrait ouvrir les bras. On le refait encore. Hop, on ouvre. Hop, on ouvre. Et changement de côté. Pied gauche devant, pied droit derrière, descend. On monte. On descend, on ouvre. Trois fois encore. Stable dans les deux jambes. Les abdos toujours engagés dans tous les mouvements qu'on fait. Et on respire. On commence déjà à bien oxygéner notre corps. Le préparer à l'action plus intense dans quelques secondes. Alors, on va commencer ensemble par un 20 secondes de squat. Dans 5, 4, 3, 2 et 1. C'est parti. Squat régulier, fesses loin derrière, genoux, largeur des hanches, les pieds aussi. On peut venir mettre de la vitesse parce qu'on sait que c'est juste 20 secondes. Let's go. Hop, hop, hop. 20 belles secondes, il en reste déjà 3, 2 et 1. On prend une petite pause. 10 secondes et squat à nouveau. Vous pouvez aussi monter sur les orteils ou faire des squats sautés si vous le voulez. Dans 3, 2, 1, on est parti. Hop. Donc, 20 secondes. Respire par le nez pour 10. J'ai dit par le nez, mais ça n'a pas rapport. J'étais dans mon yoga. 5, 4, 3, 2, 1. 10 secondes de pause et on va aller faire la chenille deux fois. 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Main au sol, avance. Planche, on s'arrête. Rapprochez les mains, pliez les genoux. Remontez. Hop, on le refait une autre fois. Remontez. Pliez les genoux. Hop, on y retourne pour trois fois dans 10 secondes. Prenez le temps de respirer. Le rythme cardiaque monte tranquillement. La chaleur monte tranquillement. 3, 2, 1. Trois fois. Vous pouvez essayer d'y aller avec un peu plus de rythme. Toujours les abdos travaillent fort. On fait des petits pas avec les mains pour toujours garder les épaules environ au-dessus des mains. Deux. Si c'est trop, on descend sur les genoux pour demi-planche. On remonte. Et un. Parfait. Alors là, vous allez faire squat, squat, deux squats, et ensuite une chenille et remonter pendant 30 secondes. Et on commence ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Squat, squat, chenille. Hop. On remonte à nouveau. Squat, squat, chenille. Alors, 10 secondes de fête, on est 30 secondes d'effort. Squat, squat, chenille. Donc, vous voyez que le mouvement est continu pour ne pas perdre de temps dans les transitions. Il reste 5 secondes. On fait une dernière chenille, la gang. On la finit, peu importe le temps. 3, 2, 1. On s'arrête. 15 secondes de pause. Et on y retourne. Prends le temps de respirer. Je suis en train de me détacher. 3, 2, 1. On est parti. Squat, squat, chenille. Essayez d'être efficace dans vos mouvements.
d'aller en profondeur, des beaux sauts dans les squats s'ils sont sautés. Allez, allez. On continue ça ensemble pour 10 secondes. On finit ce qu'on a à faire. Deux derniers squats, une dernière chenille. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Je laisse un peu plus de temps. Squat, squat. Chenille. Lève la main. Lève la main. Et reviens les mains. On va le faire deux fois. Je compte pas le temps. On le fait ensemble un peu plus lentement, dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Squat. Squat. Dépose les mains au sol. Chenille. Pieds larges. Va toucher loin devant sans trop basculer les hanches. L'autre main. Et on remonte. Les fesses loin derrière. Squat, squat. Et on le refait. Top. Top. Et reviens. Et on pourrait enchaîner ça encore. On va aller le faire pour 40 secondes. Et on va commencer dans 10. Oui, oui, 40 secondes. 40 ou 45? 45, tiens. Yes. 2, 1. On est parti. 45 secondes. Alors, on travaille les abdos, les épaules, bien sûr, les jambes, le cardio en barre. Vous êtes fort, vous êtes bon, vous avez du souffle, n'oubliez pas de respirer. Touch, touch. Alors, à partir de maintenant, le but, c'est pas d'être super rapide, c'est de bouger efficacement et de sentir qu'on travaille avec un bel alignement. Reste avec moi pour encore 10 secondes. Hop, on remonte. Et pause. Ah, très bien. On va y retourner ensemble pour un 45 secondes dans 15. Si c'est beaucoup, allez déposer les genoux au sol. Il n'y a pas de problème. On commence ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Squat. Squat chenille, touche devant, et ramène les mains, plie les genoux, fesses loin derrière, squat, squat. On descend. 15 secondes de fête, let's go. Chacun son rythme. Quand on vient dans la planche, épaule au-dessus des poignets, on va toucher loin devant. Continue de bouger pour 15. Oh, les épaules, hein? On le sent. 5, 4, 3, 2 et 1. Pause. Je laisse 30 secondes, on respire. On va rajouter une étape. Ça va être squat, squat. Chenille. Touche, touche, push-up. Remonte. On va le prendre dans 10 secondes. On va le faire deux fois plus lentement, sans compter le temps, pour se suivre, pour le faire en contrôle. Et n'oubliez pas de respirer. 2, 1, c'est parti. Toujours les squats en premier. Squat, descend les fesses, avance les mains. On va toucher devant comme tantôt. Et quand les mains reviennent au sol, on peut descendre sur les genoux s'il le faut. Push-up, ramène les mains. On refait nos squats. Je vous attends. 1, 2, main au sol, on avance. Touche devant, loin devant. Main toujours sous les épaules. Push-up. Rapproche les mains. Et on remonte. On est parti pour une minute. Et on part ça dans 15 secondes. Alors, une minute de mouvement, ça veut dire que vous avez le temps de prendre le temps. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Les squats. Ensuite, la chenille. Ensuite, on va toucher devant.
et le push-up. Fais descendre sur les genoux si c'est beaucoup. Rapprochez les mains, pliez les genoux. Donnez-vous un élan. Squat. On avance. Touche, touche. Loin devant. Travaille les épaules, le dos. Push-up. Rapproche les mains, plie les genoux. Travaille fort dans les jambes aussi, on explose. Gardez votre concentration pour faire les bons mouvements dans le bon ordre. Une minute d'effort, c'est pas facile, mais on reste déjà juste 20 secondes. Let's go! Hop! Hop! Pour 10. Jusqu'où on se rend? On continue jusqu'à la fin. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Good job! Ah, je nous laisse 30 secondes. Et on teste une prochaine variante qu'on va faire deux fois. Squat, squat. Chenille. Touche, touche. Push-up. 1, 2, 3, 4. Mountain climber. Et reviens. On le fait deux fois. Juste deux fois. Après ça, on respire. Et on y va pour une minute. Dans 3, 2, 1. On prend notre temps. Deux squats. Pas toujours obligé de sauter. Main au sol. Chenille. Touche, touche. Touche loin. Encore plus loin. Push-up. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On remonte. Plie les genoux. Squat, squat. Main au sol, avance. Reach loin devant. 1, 2, push-up. 1, 2, 3, 4. Avance. Et recule les mains. Et on revient. Ah. On va y aller pour une minute. Et on commence ça dans 15 secondes. La chaleur monte. La sueur monte aussi chez moi. 5, 4, 3, 2 et 1. C'est parti. Squat. Squat, on descend. Touch, touch. Push-up. 1, 2, 3, 4. On se place droit et on revient. Plie les genoux. Squat, squat. On continue. Touche, touche. Push-up. Abdos bien engagés. 1, 2, 3, 4. Ramène les mains. Plie les genoux. On est capable d'en rentrer encore deux, je pense. Let's go. 1, 2, 3, 4. Rapproche les mains. Oh, les épaules. Let's go. Oh, yes! Plus de 15 secondes. Dix. Des blagues terminées. Ah, ah. Ouf. Ah. On fait un sprint. On fait un dernier sprint. Ensemble. On y va juste pour 30 secondes, OK? Donc, deux allers-retours le plus vite possible. On devrait rentrer. 3, 2, 1. Et c'est parti. C'est le finisher. Go, go, go. 1, 2, push-up. 1, 2, 3, 4. Reviens. Let's go. On a le temps pour 3. Touche, touche, push-up. Un petit dernier, let's go. Direct. Après ça, c'est terminé, la gang. C'est le finisher. 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Ah! Alors, mon but, c'était de vous faire travailler abdos, épaules. Un petit peu de jambes aussi, hein? Je pense qu'on a réussi. On a travaillé fort et on s'est concentré sur nos mouvements, sur nos combinaisons. Si vous avez encore un petit peu de temps dans votre journée, vous pouvez venir faire quelques étirements qui vous font du bien. Des mouvements peut-être de mobilité qui complètent les entraînements que vous faites. Et si vous devez absolument sauter sous la douche,
pour aller plus loin dans votre journée. Allez-y, je vous souhaite une belle journée. On se dit à très bientôt. Good job!